Nous avons commencé par notre traditionnel déjeuner dansant, ce que les gens sont toujours demandeurs. Et évidemment, il y a tout un programme aussi qui a été élaboré par les collègues pour permettre aux personnes de passer une semaine pleine, personne pour vraiment la semaine bleue, c'est-à-dire la semaine pour les personnes âgées. Donc nous avons effectivement des activités sportives, parce que demain il y a à Trinité une manifestation sportive, la Croix-Gine. Mercredi, nous avons une manifestation également, une sortie au cinéma. Nous avons également jeudi une sortie au zoo, c'est-à-dire un petit peu pour changer, donc au zoo. Et vendredi également, nous avons des conférences thématiques, toujours en relation avec les personnes âgées. Enfin, nous avons fait une semaine pleine où les personnes peuvent, durant toute cette semaine, s'exprimer. Et enfin, la semaine leur est consacrée. Donc, nous avons fait un effort pour qu'elles trouvent cette semaine agréable. Et évidemment, nous allons continuer tout au long de l'année également des activités avec nos personnes âgées, puisque nous sommes toujours dans le cadre du bien vieillir. Et c'est un moment fort du bien vieillir. Vous le mettre en place.